tout de suite plus d'informations sur ce qui aurait pu causer le crash mortel de l'avion Lion Air en Indonésie la semaine dernière. Les autorités disent qu'un indicateur de vitesse de l'avion Boeing 737 a été endommagé au cours de ses quatre derniers vols. Le problème a été révélé après que les enquêteurs aient téléchargé le contenu de l'enregistreur de données de vol. L'Indonésie travaille avec Boeing et les autorités américaines pour trouver des solutions permettant d'éviter des problèmes similaires à l'avenir. Mais des experts de la sécurité disent que cela n'explique pas complètement la cause du crash. L'Indonésie doit encore récupérer en mer l'enregistreur de conversation du cockpit de l'avion. 189 personnes étaient à bord de l'avion lorsqu'il s'est précipité en mer lundi dernier, juste après le décollage. Il n'y a aucun survivant.